Święta Leonora de la Cruz. Notre patronne. Nasza patronka. Sainte Léonora est la patronne. Opiekunka cukrzyków. Des diabétiques. Kominiarzy. Des ramoneurs. Des noyés. Tonących. Des parfumeurs. Producentów perfum. Środków nasennych. Et les somnifères. Elle protège de l'eau. Chroni od wody. Du coma. Śpiączki. De l'insomnie. Bezsenności. Du somnambulisme. Lunatykowania. La mort. Śmierć we śnie. Protectrice des malades tombés en léthargie. Elle préside à des réveils heureux. Orędowniczka tkwiących w letargu, wspomaga wcześniej do przebudzenia. Elle est la patronne du bureau des rêves perdus. Jest patronką biura snów zagubionych. Et de l'ordre des sœurs assoupis. I zakonu sióstr drzewianych. Ses attributs sont une lune, księżyc, un lit, łoże et un flacon de parfum. Flakonik pachnideł. Elle est morte le 30 décembre 1723. Zmarła w opinii świętości 30 grudnia 1723 roku. Elle accomplit son miracle le plus éclatant après sa mort. Lors des grandes inondations de Salamanque, son corps, préservé de la décomposition, fut promené en barque à travers les rues. Elle sauva la ville de la submersion totale. Najgłośniejszego cudu dokonała po śmierci, gdy jej nietknięte rozkładem ciało, obwożone barką podczas wielkiej powodzi, ulicami Salamanki uchroniło miasto przed całkowitym zalaniem. Jej relikwie? Ces reliques reposent à la basilique du Sacré-Cœur à Paris. Jej relikwie spoczywają w bazylice Sacré-Cœur w Paryżu. Et on aura été visionnaire. Elle avait le don de prédiction. Elle doit sa canonisation à ses rêves prémonitoires. Elle a vu, dans ses rêves, 100 ans avant, les épisodes les plus importants de la Révolution française. Przewidziała wszystkie znaczące epizody rewolucji francuskiej. Charlotte Corday, entreuse, qui rédigeait une dernière lettre à son père. Charlotte Corday, piszącą w więzieniu ostatni list do ojca. Des scènes d'exécution sanglantes. Krwawe sceny egzekucji. Une machine à supplice. I machinę katowską. La guillotine. Gilotynę. Léonora reposait dans sa cellule. Plongée nuit et jour dans un état intermédiaire entre le sommeil et la méditation. Les yeux. Dyktowała wizję siedzącej obok siostry. Elle dictait ses visions à une sœur assise à ses côtés. Des tremblements de terre. Trzęsienia ziemi. Une éruption volcanique à Java. Wybuch wulkanu na Jawie. Le naufrage du Titanic. Zatonięcie Titanica. La catastrophe du Hindenburg. Przyszłość ludzkości widziała w ciemnych barwach. Un jour, fatiguée de son existence gravataire, elle se réveilla et ne se rendormit plus. Wkrótce jednak, zmęczona tak długim leżeniem, Leonora poczuła, jak w jej sny wkradają się szpileczki cierpienia. Obudziła się nagle i więcej nie zasnęła. Elle passa les 50 dernières années de sa vie à corriger les notes de la nonne qui lui tenait